Christa et moi, ça fait à peu près une heure qu'on est en train de se prendre la tête. Après ma porte, je suis allée voir la vidéo qu'on m'a conseillée. C'est complètement différent de ce qui se passe. Il y a ce camping-car qui vient d'arriver, un couple d'Espagnols. Et bon, on s'est dit bonjour, ils m'ont demandé si ça allait. Je leur ai dit la vérité, je leur ai dit non, que ça n'allait pas du tout. Et voilà, le monsieur immédiatement est venu, il est en train de trouver la solution, d'en tenter de trouver la solution. Et tenace comme il est, je sais pas, j'ai une confiance là. Je le connais pas ce monsieur, mais j'ai extrêmement confiance. Voilà, ils sont tous les deux là. Bon, j'ai commencé avec eux, mais j'avais vraiment envie de vous montrer. Je me suis mise un peu en retrait pour vous montrer. Voilà quoi, mais voilà, c'est mieux que le tourisme, c'est mieux que des visites de musées, c'est mieux que tout. Voilà, cet inconnu, voilà, qui se met avec Christa, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et voilà, ils se parlent, ils bricolent. Et on sent qu'il a envie, quoi. Le type, il a envie de trouver des solutions. Il avait le couteau sur lui et tout, il a commencé à démonter. Nous, on avait commencé avec Christa. Et là, voilà, ça continue. Non, mais c'est vrai, hein, Christa, t'en penses quoi, toi? À peine arrivé, à peine se garer, il commence à bricoler. Moi, je trouve ça génial. C'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est beau. Et je peux vous garantir que sa femme, bon, elle a dû partir aux toilettes, mais sa femme, tout sourire aussi, pour elle, tout à fait normal de venir nous aider, son homme. Mais vraiment, que la vie est belle. Alors, c'est ce qu'il essaye de faire là, tout simplement, parce qu'en fait, il y a un crochet qui vient comme ça là, et qui doit s'accrocher dans la boucle, sur le cadre. Et voilà, j'espère que tu as la clé. Espera, la clé, c'est... Voilà. Il demandait la clé. Je ne l'utilise jamais. Oui, sûrement. Alors, on va faire le même avec l'autre. On va faire le même avec l'autre. Et là, je vais avoir... Ah, la clé est bloquée. Alors, en fait, c'est... Cette partie-là, oui, qui doit s'accrocher ici, d'accord? C'est qu'en fait, ça, au lieu de s'accrocher, ça a glissé à côté. Donc, parce qu'il avait trop d'écart entre les deux. Alors, c'est ce qu'il a fait, le monsieur. Comme on ne peut pas bouger ça et ça, il est en train de bouger un peu ces deux parties, en haut et en bas. Voilà. Donc, il a dévissé un peu, il a bougé, il a revissé, voilà, tout simplement. Et toi qui est enflouha d'ici? C'est enflouha et t'as guidé par l'intérieur. Ah oui, c'est parti vers l'intérieur. Ouais. Et ça se peut que c'est arrivé au moment, tu m'as dit un jour que ta porte s'est fermée et il avait la... Si, un jour, il y avait beaucoup de vent et la porte se serra d'une. Et pegaría un arpente. Quand est-ce que c'est abierto? Oui, abierto. Esta. Ah. Le portail ne sera pas complètement. Non, cerraba, non? Non, cerraba. Et un jour, con mucho de vento, le portail. Pegó un portazo? Ya. Oui. Et ya se quedó descontrolado? Sí. Pues esto es esto. Mira, ve. Sí, ça. Esta pieza no ve, si viene para acá. Ah, al venirse para acá, ya no coge, no agarra. C'est ça. C'est cette partie-là. Ahora voy a coger otro destornillador más bueno que este, porque este se escapa. Y lo vamos a apretar mejor. Y ya a ver si solucionamos el problema. Donc, c'est vraiment juste un petit truc, quoi. Il faut trouver. Ah, il faut trouver, hein. Il fallait avoir l'idée, quoi. Ah, il faut trouver, hein. Et voilà. Hace que voy a apretarlo bien. Esto, este no vale. Vivo okay. Intento. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés. Oh, là, là. On sait même pas son prénom.
Et c'est ce que je disais, voilà. C'est mieux que les musées, c'est ah bah, tiens, bah, bien évidemment. Voilà, tomber sur quelqu'un comme ça, c'est phénoménal. Je préfère apprendre de faire une leçon sur ouverture, fermeture, réparation d'une porte de camping-car, parce que ça peut arriver n'importe quel moment, et je sais qu'il y a beaucoup de camping-caristes qui ont des problèmes justement avec la porte. Oui, tout à fait. Donc voilà. Alors, là, donc, explique bien. Alors, cette partie-là, c'est déplacée. Alors, ici, vous voyez, les trous sont larges, c'est-à-dire on peut dévisser et on peut bouger cette partie vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et cette partie-là doit rentrer là-dedans. Voilà. Et ça ne rentre plus parce que les deux parties, alors où ça s'est déplacé, où ça s'est déplacé, il y a une partie qui a bougé. Et maintenant, il a juste dévissé là et là. Donc Andrés, il a dévissé là et là. Il a bougé un peu la partie de la serrure, ici en haut et en bas. Oui, parce que moi j'en ai deux. Et ben voilà. Mais parce que beaucoup de camping-cars n'ont qu'une fermeture. Hein. Beaucoup de camping-cars, voilà, il y a une, deux, trois. Voilà. Donc si jamais ça vous arrive, pensez à ça. Ouh. Vraiment. Oh là là. On va apprendre un peu plus, pour ce cas. Ok, il va serrer un peu plus là. Est-ce qu'on se dit au début et que je vais lui dire maintenant, encantada, Andrés. Oh là là, oh là là. Alors là, je dois au moins une cerveza. Oh là là, super. Et je vous présente quand même sa petite femme. Non, 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 que c'est algo muy feo. Oh non, non. Elle dit qu'elle est vilaine. Elle est muy hermosa. Non, non. Aussi. À elle. Oh là là. Que introduction. Ça y est, la porte est réparée. Andrés a tout réparé. Oh là là. Oh là là. Et elle ouvre tout. Oh, génial. Il y a des joies qui sont comme ça. C'est génial, c'est vraiment c'est extra ça. C'est extra. Tu vois, quand on dit les camping-caristes sont des cons. Non, il ne faut pas généraliser. Nous, on est tellement sympas, on est tellement deux femmes désespérées qui pouvaient être que sympas avec bien nous. Bien évidemment, même le chien, il vient pour voir ce qui se passe. Non mais franchement, c'est génial. C'est la plus belle journée depuis très longtemps. On a bien fait de ne pas partir aujourd'hui. Ouais, on était à deux doigts de partir et puis finalement, on n'est pas parti. Ouais. C'était très bien comme ça. Ouais, et finalement, on reste jusqu'à samedi. Ouais, on reste jusqu'à samedi. Ou jusqu'à samedi. Ouais, parce que demain, il va y avoir du monde dans les villes et tout. Du monde, c'est vendredi saint, ils vont faire des processions. Attends, j'arrive même plus à filmer. Coucou. Oui, mon bras, il est pas assez long. Tu veux mon bras? Tu veux une rallonge? Ouais. Voilà, ça va mieux. Mais t'as bien des grands bras, toi. Bah, je suis grande. On dirait pas, mais je suis presque aussi grande que toi. Hein. Sauf que derrière... j'ai dit presque. 4 cm de différence entre toi et moi. Hein? Voilà. Bon, je parle la taille comme ça. Hein? Je suis plus grande en hauteur et en largeur. Oui. C'est moi qui le dis. 4 cm en grandeur. Attends, en largeur, je dis pas. Moi, dans mon euphorie. Ouais, ça va. Dans mon euphorie, j'ai quand même 1000 micros. Non, mais il y en a, ils sont heureux, tu sais, parce qu'ils gagnent au loto, ils gagnent du fric et tout. Bon, nous, on est heureux simplement pour ma porte. Parfait. Salut tous les chéris. Ciao, ciao. Et ça, j'adore cette vie. Oh purée que j'adore cette vie. Et j'adore les gens. Salut. Ciao.